Cette transformation ressemble à une sale blague. Ou à un sort mal ficelé qui m'aurait lancé. Quoi ? Transformer tout un village en gorée, je trouve ça pas mal quand même. Pardon, hein, mais... C'était qui déjà dans la mythologie Ouais. Avec Ulysse, là, qui transformait les gens en gorée. Comment elle s'appelait ? La madame. Non, y'a que moi qui... Bon, les Nekars, vous m'avez saoulé. Comment je les ai maîtrisés? Ouf! Mutagène! Ouais! Comment elle s'appelle du coup? Circé, merci. Direct inspiration, vous pensez? Alchimay. Oh, je peux faire une bombe en dimétérium. Le go. Huile contre une créature maudite améliorée. Le go. I don't see why not. Ouh, huile contre les spectres. Ah, mais du coup, je peux plus faire l'huile du pendu. Fuck. Avec une immersion qui augmente la sensibilité d'un signe choisi au hasard au crépuscule et à l'aube, dure plus longtemps que les autres potions de mutagène. Ah bah là oui, pour le coup, oui. 5760 secondes. Augmente la sensibilité des signes par temps nuageux. Toutes les créations alchimiques peuvent être utilisées une fois de plus. Dégâts subis augmentent la résistance aux dégâts subis. Ok. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, personnage, j'en suis où, moi, de ça? Ah, bah voilà, j'ai un petit point à mettre. Je pense qu'on va mettre ça. Du coup, on va faire ça. Voilà. Il faudrait que je mette un mutagène rouge si j'ai... J'ai un mutagène rouge? J'en ai un petit. Un petit mutagène de loup-garou. Ok. Allez, faire une tour plus souvent chez les herboristes. Ouais, bah... Ouais, ou récupérer plus de plantes, en vrai. Franchement. Je pense que mon gros problème c'est juste que je me promène pas trop à pied en fait. Parce que là genre littéralement je crois que je viens de récupérer tout ce qu'il fallait pour faire la potion. Ouais, il m'en manque juste un je crois. Du pendu. Ouais c'est ça, du coup il m'en manque juste une. Oui c'est juste que je me promène pas assez à pied en fait. C'est tout. Plus que je récupère plus de plantes à pied. Je me promène trop avec ma blette. What? Se calme. C'était le dernier. Le village est sauf. Pour l'instant. Pour l'instant. Yo, yon tech. Mais du coup, ça là. Du coup, ça là. Bah, c'est Yagoda. C'était une madame. Il y avait des bandits autour et ils étaient en train de la bouffer et ils m'ont proposé un bout et j'ai dit non. Mais sinon j'aurais bouffé de la Yagoda. Yontek. Ouais. Oui. Je sais ce qui est arrivé aux gens d'ici. Ils sont victimes d'une malédiction. Ouais. Ah. Ah bon? Et ça peut s'arranger? Oui, mais je vais avoir besoin d'aide. D'accord.
Me dis pourquoi. Il n'a pas été transformé comme les autres villageois. Je me demande bien pourquoi. Parce que... j'ai pas été avec eux. Et pas allé prendre de l'or autant. Non. Bah... non. Il fallait. Il est trop mignon. Hein. De l'or a été volé. C'est ce qui est à l'origine de la malédiction. Tu sais où il se trouve? Ouais, je l'ai bien caché. Bien. Eh bien, il va falloir le rendre. Et tous les villageois devront être présents à ce moment. Pourquoi ça? Récupère l'or pendant que je rassemble les cochons. On se retrouve au moulin, et de là on va à la... cochonnerie. Ça devrait marcher. On va les sauver? Je vais chercher l'or. Vous ne serez pas transformé en porc. Axi, peut-être. Oh oui, ça tombe bien, je l'ai amélioré vachement. Tiens, go. Allez au moulin et attendez-moi là-bas. C'est bien. T'es un bon goret. Est-ce qu'on peut faire un axi de masse, là? Genre. Allez, bébé, bouge-toi. Oui. Oh, mais ça a vraiment marché, j'ai vraiment fait un axi de masse. C'était incroyable. Saute. Saute. À moins que peut-être que juste un axi ça suffisait en fait. Allez, je monte sur patte. On est parti. Non, c'est parce que j'avais fait un axi de masse. Allez les gouris. Allez les gouricu gouricu. Heureux les ignorants. Ah merde, j'ai oublié la traduction en française. Heureux les oublieux, car... merde, j'ai oublié. Fuck. Un orage. Pas si honteux. Manquait plus que ça. On dit pas qu'il faut que je les protège. Allez les gouris. Allez gouricu. En avant. On a tout le monde. Sauf Igor. Igor est déjà sur place. N'oublie pas, quand on arrive, remets bien l'or où il était. Vous conduisez les cochons, moi je coltine et je dépose. Allons-y, en avant. On peut courir un peu ou pas les boys? Ce serait vraiment bien de courir. Allez Yontek. Et merde, faut protéger le troupeau. En avant troupeau. Bête, fidèle troupeau. Défends ta foi, ta race, ton enclos. Là. C'est dans Babe pour ceux qui se posent la question. Oh oui. Go. The world forgetting by the world forgot. Allez, du jarret. Du jarret. Mouah. Mims. Minax ! Oui, tout à fait. Ça va, beauté. Regarde Minax. T'es dans le jeu. Plein de porcs. Zou, en parce avant. Les hommes, c'est tous des porcs. Oh, y'a des ennemis ! Des bêtes. Des bêtes. Elles attaquent. Des bêtes. Elles attaquent. Il n'y aurait pas mon troupeau. Ils sont mégorés. Oui, je fais que ça, tu te calmes. Oui, mais ça va, tranquille. Yontek, te calme. Suffit. Vous pourriez de me parler comme ça, quand même. Ah oui, super, rends l'argent. Non, mais les hommes, c'est tous des porcs, donc c'est juste que, ben... comme les autres, quoi, tranquille. Faut pas le prendre mal. Les hommes, vous êtes tous des pères. En avant, Yontek. Oh, plante. Ouah. C'est bon. Je me désabonne du OnlyFans. Quoi? Mais j'ai besoin de ma thune, moi. Enfin, de ta thune. Enfin, ma thune et ta... enfin, t'as compris. J'en ai besoin, hein. Voilà. Yo. Une seconde.
Je me suis gentil avec toi en fait. Quoi? Yo de rose. Et les femmes des cochons, Simsphere. Enfin moi je suis quand même sacrément une grosse truie quoi. Ça va mon cul? Enfin redevenu moi-même. Merci derrière bien. Mon cul. S'emballons pas. Faire un décompte des bons hommes. Il nous manque Yagoda. À mon moment. On est presque tous là. Merci à vous. Cheveux blancs. Remerciez Yontek. Il m'a bien secondé. Mais c'est Yontek qui a fourni la clé. Il savait sûrement que l'or était maudit. Il a pas voulu venir avec nous. En 4 donjons en plus, j'ai réussi à avoir un super monster pour jouer. Let's go Tonio GG. Tu ne tireras pas comme ça, fumier. Prends ça. Le premier qui touche. Le premier qui lève la main. Un cheveu d'Yontek. Ouais. Allons, allons, faut pas s'énerver. Il en est capable, ce gros oiseau. Filons, et vite. Oh. Merci. Tu ferais mieux de trouver un autre village. Dans celui-ci, ça pourrait mal finir pour toi. D'accord. Je vais faire comme ça. Bon vent à vous. Mon pauvre Yontek. Trop mignon. Tu peux venir habiter chez moi si tu veux, Yontek. J'ai fait un bon feu. Ah ouais, un bon feu. Alors, au combat. Nous étions en train de faire nos quêtes dans l'ordre le plus logique. Trouver la hutte du chaman. Ah ouais, mais ça, c'est les quêtes principales, ça m'en fout. Quête secondaire. Parler à Kiramets. Ah non, elle est trop longue cette quête. Contrat de sorceleur, qu'est-ce qu'on a ici? Monstre de la forêt. Go. On va faire ça. Ça s'appelle désormais Yontek. Oh oui. Oh oui, Yontek. C'est par où qu'il faut aller? Oh, mais c'est au bout du monde. Bon, ma blette. Emmène-moi! Je vais même corriger moi si je me trompe, mais il faut du TC, du dégâts crit, RE, EM et attaque, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Yep. RE pour lancer ton ulti plus souvent, EM bah, pour faire des meilleures réactions élémentaires. Attaque pour faire des dégâts, crit, dégâts crit pour crit. Effectivement. Yo botte. Ah merde putain, mais y'a pas de TP à côté. Non mais c'est une blague. Ah oui, c'est un bon jeu Lost Ark. Moi j'ai dû arrêter parce que j'avais pas le time, mais c'est un très bon jeu Lost Ark. Hein. Si j'avais eu le time, j'aurais passé ma vie sur Lost Ark en vrai. Mais juste, je peux pas faire du Genshin, du Witcher, du Lost Ark, du tout, du machin, du truc et tout. Hein. C'est pas possible. Hein. Yep. Mais très 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 bon jeu Lost Ark. Hein. Allez, on se dépêche, on jump, on va vite et on court. Ah. Ça
pas, c'est des gentils chiens. C'est des bons chiens, ça. Ils sont massifs, hein. Sacré bonus, hein. Retour sur le Star pour toi, peut-être un jour, mais bon. D'ici là, je pense qu'on aura des nouveaux... Nous avons découvert des soldats Nilgardiens cachés dans le camp. Ils portaient des habits civils et se faisaient passer pour des réfugiés. Le commandant du camp demande à chacun de rester vigilant. Méfiez-vous de vos voisins et gardez-les à l'œil. Si vous remarquez quelque chose de suspect, signalez-le immédiatement. Quiconque cachera des soldats impériaux sera sévèrement puni. Je m'appelle Burte Fabre. Je suis née à Douyel, en Basse-Téméria. Je cherche ma famille. Nous avons été séparés en gagnant le Nord. En raison de l'incident d'hier et du conflit entre les hommes d'Aedirn et de Téméria qui est en cause... L'ordre a été donné de séparer les réfugiés et de les regrouper en fonction de leur pays d'origine. Toute personne refusant d'obéir sera chassée du camp. Commandant Hubert Radin. Le commandant du régime demande à tous les réfugiés présents dans le camp de ne pas sortir après le crépuscule. Les combats se poursuivent dans les environs et les gardes rédaniens traitent toutes les personnes rencontrées hors du camp après la tombée de la nuit comme des ennemis. Le commandant du régime rédanien organise une garde pour le camp. Toute personne voulant participer au maintien de la paix. Quand le camp doit se présenter sur le champ à l'intendant, des volontaires recevront des armes à utiliser pendant leur service ainsi que la gratitude de notre gracieux souverain, le roi Radovid V. Ok. Grand Mogka. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis ici pour la vie. Vous avez un problème de monstre? Un problème? Elle est bien bonne. C'est pas un problème qu'on a. C'est tout un tombeau bon, de merde. Bon tombeau de merde. Hein, va savoir quoi, rôde dans les bois et s'attaque à tous les convois qui ont le culot d'emprunter la grande route. On est à court de carreaux, de flèches, de vivres. La merde totale. Envoyer une patrouille, on les a jamais revus. Tout petit moucu. Le boulot est simple. Amenez-moi la tête de cette saloperie et vous aurez la prime, comme sur l'annonce. Inutile de marchander. L'intendant voudra rien savoir. Et je peux ajouter un sauf-conduit qui permet de franchir le pontard. J'ai conclu. Ça me semble honnête. Je vais voir ce que je peux faire. Mablette. Mablette. C'est bon ou pas? Ça va en vrai. Allez. Du vent, Mablette. Mais j'avais pas but. Mais c'est des vieux chiens sauvages niveau 1 ou donc... La giga flemme. Pour le lol. Ah oui, c'est bon. Bon, il nous faut des plantes. Courir à pattes. La 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 la. Les pétales. N'oubliez pas que pétale est un mot masculin, n'est-ce pas, Eidoros? Pauvre Eidoros qui a rien demandé. Des pétos. Bien sûr, des pétos. Oh, c'est une algue. Ils sont bien vilaines, ces bestioles. Traces de griffes et de dents, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie. Mais toutes ces plaies sont post-mortem. Traces de griffes et de dents, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie. Mais toutes ces plaies sont post-mortem. Il ne reste rien. Soit quelqu'un a volé la cargaison après l'attaque du monstre, soit notre bestiole collectionneuse dérive. Terre. Mais ici, une flèche. La tige a été brisée à ras. Des traces de pas. Un survivant. À moins que le monstre soit humanoïde. Squalala ! Quelque chose ne colle pas. Suivons ces traces.
Non, par contre, c'est un pétale, faut arrêter. Hein. Je devrais jeter un œil aux alentours. Mais je devrais surtout arrêter de me faire aggro par des mobs. J'adore écouter ce que mes voisins racontent dans le palier. Mangeons. Om nom 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 nom. Ah, j'avais trouvé les petites patounes. Ah. Un squayatel. Un pas de plus et tu te retrouves avec un trou tout neuf dans la tête, Doin. Que viens-tu chercher? Parle. Non, le pire de tout, c'est quand même. C'est quand même. On arrête. Je dois parler à ton commandant. C'est important. Je ne te fais pas confiance. Je m'en suis douté dès que j'ai vu ton arc pointé sur moi. Et tu m'as toujours en ligne de mire. Je n'ai aucune envie de tenter un truc idiot, tu peux en être sûr. Je serai tout à fait tranquille quand tu m'auras passé tes armes. Les deux épées. Donne-les-moi et je te conduis à Vernociel. Très bien. Très bien. Je te suis. Je m'en fous, je peux tous vous détruire à main nue. C'est pas mon problème. Vadgern ? Bizarre. Nous n'avons vu aucun monstre. C'est fort possible. Mais les Redaniens sont convaincus qu'un monstre rôde dans ces bois. Ils m'ont engagé pour le tuer. Eh bien, ils se trompent. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Il n'y a pas de monstre dans les parages. Pas de boulot pour vous. Ce n'est pas un jeu. Des hommes sont morts. Des soldats sont morts. À la botte de Radovid. De l'homme qui tourmente les Enseïd depuis la Grande Mer jusqu'aux Montagnes Bleues. Des soldats qui ont pris part à des massacres, torturé nos frères, violé nos sœurs. Je ne les pleurerai pas. Et pas question d'arrêter les attaques de convois. Nous devons manger, tout comme vous. Voici tes options. Partir d'ici et oublier ce que tu as vu, ou mourir. Techniquement, ils peuvent juste chasser des petits écureuils et bouffer des écureuils, hein. Non ? Y'a que moi qui pense ça ? Après, j'avoue, c'est pas vraiment une vie, mais... Et moi qui pense qu'ils n'avaient pas besoin de tuer des humains. Paul dans le chat, est-ce qu'on tue les elfes ou est-ce qu'on les sauve? Paul in the chat! Des patounes d'écureuils pour bien. Bah ouais, hein. Les écureuils, c'est pas hyper nourrissant. Non, mais il doit bien y avoir des hérissons. Il y a des biches partout, on les a vues. Sinon, il y a les. Ouais. Gadou! Point d'exclamation Peach! Comment vas-tu, Gadou? Celle, c'est pas des humains, c'est abattoir direct. Ah, c'est violent un peu quand même. Comment ça va, mon Gadou? Oh, attendez, j'étends ma patoune parce que j'ai mal au genou. Je me fais vieille. Je me fais bien vieille. Ça va, ça va. Gadou, on sauve les elfes ou on les bute? Ils ont attaqué un convoi et ils disent non, mais parce qu'il faut que nous aussi on vive. C'est un convoi de soldats pour leur défense. Ok, ils attaquent des convois de soldats dans la forêt. Leur défense, c'est... il faut qu'on vive. Il faut bien qu'on se nourrisse. Et en plus de ça, c'est un côté de l'armée qui est vachement raciste et ils ont torturé et buté nos frères et sœurs. Il n'y a pas l'option sauver mais recommencer. Pas. Il y a l'option faites bon comme bon vous semble et vous n'êtes que deux vulgaires brigands. Il y a l'option oui ou il y a l'option non. Mais il n'y a pas avertissement! Là, si c'est un avertissement, c'est coup d'épée dans sa bouche et si elle se relève, je la retape. Hein. Allez, Gadou a parlé. Fais comme bon te semble, je ne tiens pas à m'en mêler. Rendez-lui ses affaires et ajoutez un petit quelque chose provenant des convois.
Toute sage décision se doit d'être récompensée. Va, Faye. Mais du coup, j'ai pas de trophée à leur donner, moi, au Boug. J'ai pris une quête à un moment, Grim. Faut que je donne un trophée, moi, non? Vous inquiétez pas, j'ai... Ah merde, je pèse trop. Attendez, je vais vous libérer un petit peu de la... Ah merde, non si, ça va, c'est bon. Non, mais non, c'est très grave ce que je fais là. Putain, c'est quoi ça? Et puis un acier de l'école de la vipère. Ah oui, celle-là, c'est celle d'argent, ok. R, oui. Tu es tapé au gourdin? Oh oui. Subissez le courroux vengeur de mon bon gros gourdin. Non mais du coup je fais quoi moi avec cette quête là? Non. Let's go. Trop bien, on a pas pour quitter la maison. Je finis le dossier pour espérer. Let's go, trop bien. Tu me diras comment ça s'est passé. Nous prions tous très fort pour que l'appart soit à toi, beauté. Des capis en vite fait pour l'exemple. En plus, ça te fait un trophée. J'avoue, là, j'ai pas de trophée. Hein. Bon, je peux montrer une vieille tête de griffon que j'ai qui traîne dans mes sacoches, mais bon. Comme hier sur l'aide de Sweetie. Ah, vous voyez pas le pôle? Vous êtes sur quoi, PC ou téléphone ou... Yom. 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 Où la petite fleur bleue? Je ne te savais pas aussi fleur bleue, Gérald. Eh ben ça, j'ai bien vu ça, mon très cher, que tu n'en pouvais plus de la situation. Pour toucher votre récompense? Mais wesh. Calme en vrai, Baron. Putain, il y en a une. Amène-toi. Voilà. Oh, la décapitation. La 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 la. Putain, mais il y en a partout, des mobs, là. Comment je fais pour faire mes quêtes, moi? Suffit. Mablette, en avant. En avant. Yo, Clémar. Je sors de mon rendez-vous psy, ça s'est bien passé, beauté? Rien de grave au tableau? Une quête! Oh, y'a un toutou! Ah. Boumen! Un chien rôti, il faut avoir sacrément faim. Oula! Sortez, je ne vous ferai pas de mal. Oh, let's go, Cadou, c'est trop bien ça. Vous n'avez pas mangé. Je viens de recevoir une amende 80 km/h pour une limitation à 80 km/h. Heureux. Ouais, mais après, ils enlèvent des km/h. Quand ils chopent à 81 km/h, au final, c'est qu'ils ont enlevé... C'est qu'ils ont déjà enlevé un bon... Enfin, quelques km/h. J'ai utilisé une condensée, j'ai eu plume plus fleur TCDC, dont une avec du TCDC attaque pour cent, let's go. Ouais, c'est ça, ils enlèvent 5. Bah après, ça dépend, je crois que c'est genre 5 sur route, entre guillemets, normale, et genre 7 sur genre autoroute.
Bon, là, en l'occurrence, oui, ce serait 5. C'est ça, hein, je crois. Ou 8, ou je sais plus. Semaine assez compliquée, totalement, mais elle m'a aidé sur certains points, donc c'est ok. Bon, ça va, alors. Où sont vos parents? Qu'est-ce que vous faites seul ici? Où sont vos parents? Ceux qui ont survécu aux escadrons nous ont chassés. Trop de bouches à nourrir, ils ont dit. Bon, mais je leur donne à bouffer, ils sauront pas quoi faire de l'argent. En vrai, si je peux, je leur donne tout, mais bon. Tiens, n'oublie pas de partager avec les autres, hein? C'est pour nous, vraiment? Merci. Tenez, prenez ceci. Vous êtes gentils. J'aime bien comme il a vraiment pris le truc. Ça me termine. Bon, ça, ils en ont pas besoin, hein? Dans la peau de la bête, ils entrèrent chez lui et se mirent à fouiller partout. Ils trouvèrent les premières preuves dans le lit. Les draps étaient couverts de brindilles, comme on aurait apporté un loup-garou après une nuit de chasse dans la forêt. Il eut pas à chercher bien loin pour trouver une seconde preuve accablante. Une peau de loup gisait sur le lit. Peau de loup qui, sans aucun doute, lui servait à se transformer au coucher du soleil. Fort de ces preuves irréfutables, ils se mirent en chasse sans hésitation. Bien décidés à capturer le lycanthrope et à le ramener au village, pieds et poings liés, par une solide chaîne en argent. Oui. Ça vous dit à la fin du stream, on se fait genre une petite heure de lecture de bouquins?